Salut à tous! Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai choisi de faire un tag. Donc c'est un tag de 30 questions pour apprendre à plus me connaître. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa vu que ma chaîne est assez récente et que y a plein d'infos dedans que je vous ai jamais données. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Donc j'ai noté toutes les questions comme d'habitude dans mon cahier et je vais y répondre une par une. Alors, il y a des questions qui sont un petit peu bêtes. C'est un tag que j'ai trouvé dans d'autres vidéos comme ça. Donc il y a des questions qui sont un peu bêtes mais je vais répondre à tout. Donc première question, mon prénom, donc je m'appelle Astrid. Deuxième question, les choses sans lesquelles je ne peux pas sortir de chez moi. Mon téléphone, ouais, mon téléphone et le reste, non ça va, je peux sortir sans maquillage, je peux sortir, voilà, ouais, juste mon téléphone, mon portefeuille je pense, et c'est tout. Troisième question, mon âge, donc j'ai 22 ans. Quatrième, mon origine, française, j'ai absolument pas d'origine étrangère, donc voilà, je suis française. Cinquième question, est-ce que je veux me marier un jour? Oui. Oui, pourquoi pas. Enfin oui, j'aimerais bien me marier. Après, si ça arrive pas, c'est pas grave. Mais c'est vrai que j'aimerais bien me marier. 6. Est-ce que je me mets facilement en colère? Oui. après, en colère, non. Mais est-ce que je m'énerve facilement? Oui, je suis assez tendue de base. Donc on va dire que le moindre petit truc, ça m'énerve. Mais après, je me calme assez vite aussi. 7. Est-ce que j'ai une phobie? Oui. Tout ce qui va être genre araignée, serpent, les trucs comme ça, c'est horrible, c'est même pas la peine. Voilà, c'est pas possible. Une mini araignée, ça passe. Une grosse araignée, c'est la cata, c'est pas possible. 8. Ai-je failli mourir? Non, absolument pas. J'ai jamais failli mourir, non. 9. Est-ce que j'aime l'alcool? Non, pas spécialement, non. Non, j'en bois quasiment jamais, non, je suis pas fan d'alcool. 10. Soirée en ami ou en boîte? En ami, les boîtes j'ai dû y aller 5 fois dans ma vie et j'aime pas ça du tout, donc ouais non, soirée en ami. 11. Mon style vestimentaire, alors j'ai absolument pas de style, sur ma chaîne je vous parle pas de mode, c'est pour une simple et bonne raison, c'est parce que je m'habille n'importe comment, je n'ai absolument pas de style et je m'en fous complètement de comment je m'habille, enfin je m'en fous, non j'essaye de faire des choses jolies etc, mais non, j'ai pas de style et je réfléchis pas à avec quelle pièce je vais porter ça, etc. Non. 12. Mon style musical. J'ai pas de style non plus. Un peu tout, mais ouais, j'ai pas de style. 13. Une résolution. Alors, si je devais faire une résolution, là, ce serait de reprendre le sport. Parce que on dit tous ça, mais ça fait un an et demi, je pense, que j'ai pas fait de sport. Ça fait depuis que j'habite à Strasbourg en fait que j'ai pas fait de sport, donc ouais, un an et quelques. Je ne sais pas pourquoi, il y a longtemps j'étais inscrite dans une salle quand j'habitais encore chez mes parents, donc j'y allais etc. Après j'avais décidé de me désinscrire mais je faisais quand même du sport à la maison, j'allais courir etc. Et en fait depuis l'été 2015 que j'habite à Strasbourg, je n'ai pas fait de sport. Voilà. Donc ça serait bien de prendre cette résolution mais voilà, c'est pas à l'ordre du jour pour le moment, même si ça serait bien. 14. Ma taille. Alors, d'après moi, je fais 1m72, mais la dernière fois que je suis allée chez le médecin, il m'a mesuré, il m'a dit 1,69 et demi. Donc on va dire 1,70 pour mettre tout le monde d'accord, voilà, 1m70 à peu près. 15. Est-ce que j'ai des animaux de compagnie? Alors, dans mon appartement, là, non, on n'a pas d'animaux de compagnie parce que j'ai pas envie, enfin, j'aimerais bien avoir un chat, j'aimerais bien avoir un chien. Mais pour moi, il serait malheureux de vivre en appartement. Donc voilà, j'ai pas d'animaux de compagnie ici. Mais chez mes parents, il y a 2 chats. Donc voilà, c'était mes animaux de compagnie quand j'étais chez eux. Ils sont restés chez eux parce que je n'allais pas les emmener dans mon appartement. Donc voilà, j'ai 2 chats chez mes parents. Et pour le moment, chez moi, on n'a pas d'animaux. 16. Est-ce que je suis mariée? Donc ça, c'est un peu redondant sur la question est-ce que je veux me marier un jour? Non, je suis pas mariée pour le moment. 17. Est-ce que j'ai confiance en moi? Oui. Oui. Pas excessivement, mais oui, j'ai confiance en moi, oui. 18. Est-ce que j'ai des enfants ou est-ce que je veux des enfants? Alors, des enfants, non, j'en ai pas, donc j'ai quand même 22 ans, donc voilà, j'ai pas d'enfants pour le moment. Est-ce que j'en veux un jour? Oui. Oui, oui, pourquoi pas. Après, combien? J'en sais rien, mais oui, pourquoi pas. 19. Principal trait de caractère. Alors, quel est mon principal trait de caractère? Je suis... J'en sais rien. Je sais pas, je dirais souriante, je sais pas, j'en sais absolument rien en fait. Voilà, à vous de me dire quel est mon principal trait de caractère, mais moi je ne sais pas. 20, est-ce que j'ai des regrets? Non, absolument pas, non, aucun.
21, ce qui m'énerve le plus. Qu'est-ce que je pourrais répondre à ça? Ce qui m'énerve le plus. J'en sais rien. Je sais pas, il y a plein de trucs qui m'énervent. Par exemple, quand on fait pas tout à fait ce que je voudrais, ça m'énerve. Je sais pas, il y a plein de trucs qui m'énervent, mais ce qui m'énerve le plus, je sais pas. 22, une odeur que j'aime. Alors là, il y en a plein des odeurs que j'aime. Par exemple, des odeurs de bouffe que j'aime. Donc il y a plein de trucs, des odeurs de gâteaux, des odeurs de, je sais pas, la bouffe que ma mère fait, en fait, ça sent toujours bon. Et voilà, il y a plein d'odeurs que j'aime bien. Après, des odeurs un peu plus classiques. L'odeur de la fleur d'oranger, ça j'adore. L'odeur de l'amande, ça j'adore, mais je vous l'ai déjà dit. L'odeur du propre, de la lessive, voilà, ouais. Je suis pas, ouais, non, il n'y a pas des odeurs un peu bizarres que j'aime, par exemple l'essence, non, j'aime pas ça, les trucs comme ça, non, je, non. Odeur de bouffe, principalement. Ah bah, du coup, question 23, type de nourriture que je préfère. J'ai pas de nourriture préférée, j'aime bien un peu tout. Ouais, un peu tout, que ce soit par exemple italien, donc les pizzas, chinois, ouais non, j'aime à peu près tout. Le pays que je rêve de visiter. Il y en a plein. Pour le moment, en fait, j'ai pas visité tellement de pays, j'en ai fait quelques-uns quand j'étais petite avec mes parents, principalement en Europe de l'Est. Et c'est tout en fait, je suis jamais allée ailleurs qu'en France et en Europe de l'Est. Donc voilà, il y a tout le reste du monde que je rêve de visiter. Après un pays en particulier, je pense l'Irlande, où j'aimerais bien aller. Ça, je rêverais d'y aller. Ouais, après voilà, il y a plein de pays où je rêve d'aller. Par exemple le Canada aussi, j'adorerais y aller. Après des pays qui me tentent un peu moins, l'Amérique du Sud, Amérique latine, etc. ça me tente pas trop. Mais pourquoi pas, pareil l'Asie ça me tente pas trop mais pourquoi pas. Voilà, j'ai pas de rêve absolu, ouais juste l'Irlande, Canada j'aimerais bien y aller. Après je rêve de visiter le monde entier. 25, mon magasin préféré. Mon magasin préféré, si c'est pour acheter des vêtements absolument aucun parce que je n'achète jamais de vêtements. Pour le reste, je sais pas. Non, j'ai pas de magasin préféré. 26. Est-ce que j'utilise une fourchette pour manger des frites? Donc je sais pas qui a inventé cette question, c'est un peu bizarre. Est-ce que j'utilise une fourchette? Ça dépend. Ça dépend. Si c'est dans un resto, oui. Si clairement je mange McDo, non, j'utilise pas de fourchette pour mes frites. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de fourchette au McDo. 27. Le dernier film que j'ai vu au cinéma. Alors si je me souviens bien, ça fait un moment qu'on n'est pas allé au cinéma. Si je me souviens bien, c'était La couleur de la victoire, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un film sur l'histoire de Jesse Owens, donc aux États-Unis, qui est vraiment pas mal. Voilà, donc si vous avez l'occasion de le voir, La couleur de la victoire, c'est vraiment pas mal. Et il me semble que c'est le dernier que j'ai vu. Ensuite, 28, mon dernier achat. Mon dernier achat là, c'était, si je dis pas de bêtises, c'était de la lingerie chez Valège et un produit chez Marionneau. 29, mes loisirs. Qu'est-ce que j'aime bien comme loisir? Regarder des vidéos sur YouTube, ça c'est mon loisir numéro 1. À chaque fois que j'ai du temps, c'est ce que je fais. Ensuite, faire de la cuisine, donc ça j'adore ça, faire à manger, etc. J'aime vraiment bien. Après, je prends pas le temps de le faire tous les jours, mais j'aime bien. Qu'est-ce que j'aime faire d'autre? Bah, faire des vidéos, le montage, etc. J'adore ça. Ouais, voilà, c'est à peu près tout. Et dernière question, je m'imagine où dans 5 ans? Alors dans 5 ans j'aurai 27. À 27 ans je m'imagine toujours avec mon chéri, j'espère. Enfin ça on verra bien, mais voilà, j'espère toujours avec lui. Je me verrai bien dans une maison avec si possible un boulot qui me plaise. Voilà, j'espère toujours sur YouTube. Voilà, on verra bien, mais c'est comme ça que je m'imagine dans 5 ans. Donc j'ai répondu aux 30 questions, j'espère que ça vous aura intéressé. Après il y avait des questions un peu bêtes, un peu redondantes, etc. C'était pas des infos de fou non plus sur moi, mais c'est plutôt pas mal si vous me connaissez pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.